retrouvons sur le plateau de la Halle Olympique et du Salon Alpin, Martine Berthet. Madame le maire, bonjour. Bonsoir Laurent. C'est un grand rendez-vous que ce Salon Alpin pour tous les professionnels de la montagne. Un vrai succès, on le voit, et puis on peut apprécier la modularité de cette nouvelle Halle Olympique dont tout le monde parle. C'est un peu un salon nouvelle formule, puisque c'est la première fois qu'il se tient dans cette halle rénovée et agrandie. Agrandie, c'est un mot important, puisque effectivement, c'était le souhait de Savoie Expo de pouvoir disposer d'une surface plus grande. Et c'était ce à quoi nous nous étions engagés. Donc voilà, réouverture de la halle avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de fonctionnalités. Donc un salon qui est, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne très très bien, très beau. Des exposants qui ont fait de très beaux stands avec de beaux produits. Il y a beaucoup d'optimisme qui se dégage de ce salon. Et puis c'est un salon d'affaires, il faut le dire. Tout à fait. Avant tout, oui, c'est un salon d'affaires. On est à quelques semaines de l'ouverture des stations. Oui, c'est un salon qui est réservé effectivement aux professionnels de l'hôtellerie et des métiers de bouche. Alors aujourd'hui, la ville d'Albertville bouge. Sur l'Olympique, on a vu Olympe Jump, on a vu le forum de la saisonnalité. Et puis bien sûr, on arrive sur la fin d'année et je suppose qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Alors les rendez-vous à ne pas manquer, ça va être notre réouverture au public de la halle, bien sûr, avec le 18 décembre l'inauguration officielle. Mais il y aura eu auparavant donc une mise à disposition de la glace au club de glace, du mur d'escalade, un des plus grands d'Europe, au club d'escalade. Et puis donc le mercredi 16, un spectacle de glace pour inaugurer, pour faire une pré-inauguration de la partie patinoire. Donc ensuite, je le disais, le 18 décembre, l'inauguration officielle avec les discours, entre guillemets, et puis avec un très beau spectacle auquel tout le monde pourra participer. Des journées portes ouvertes qui suivront pour que tout le monde puisse prendre connaissance des lieux. Et je pense qu'il est vraiment très, très intéressant de venir parce que, au-delà de ce que les élus et les personnes qui ont réfléchi sur ce projet de rénovation et d'agrandissement, au-delà de ce que nous avions tous imaginé, c'est vraiment un outil, un équipement qui est formidable pour pouvoir recevoir des salons professionnels comme aujourd'hui, pouvoir recevoir de gros événements sportifs comme nous allons avoir avec les championnats du monde de hand, avec, on va croiser les doigts, peut-être des éliminatoires de Coupe Davis, donc ce serait vraiment parfait, je pense que tout le monde attend ça. Et puis aussi avec des concerts, puisque très bientôt nous annoncerons la programmation 2016, des concerts qui sont déjà prévus. Et on annonce Laurent Girard, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est pour la halle olympique, mais il n'y a pas que la halle olympique. Qui pique un peu la vedette à tout le monde en ce moment, c'est un peu logique. Donc avant ce beau programme, il y aura le lancement des illuminations avec l'inauguration de la patinoire éphémère qui se tiendra sur la place de l'Europe, avec beaucoup d'animations organisées autour de cette inauguration. Ce sera en soirée du 28 novembre. Et dans la journée, nous accueillerons, puisque cette année nous avons fait le choix de regrouper ces deux événements, nous accueillerons la deuxième édition de notre événement Neige et Glace. Voilà de quoi faire sur Albertville en termes d'activité et d'animation. Après, il y a aussi la vie associative, la vie de la ville. Là aussi, vous avez quelques actions en cours qui vous tiennent à cœur. Alors bon, bien sûr, la vie associative est très importante. Nous avons beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles. C'est une des forces de notre ville. Donc la municipalité a beaucoup de projets, est très à l'écoute des associations. Il y a différents projets, comme par exemple celui du SOA, enfin du rugby, de notre club Huginot-Albertvillois. Avec ce siège qui est en préparation, bon, il y a encore toutes les démarches administratives à réaliser, mais en tout cas c'est un projet qui suit son cours. Il y a aussi beaucoup d'autres événements, enfin un suivi de nos associations, avec la mise en fonction aussi du troisième étage de la maison des associations pour avoir des locaux rénovés pour tous nos clubs. Et puis bien sûr, donc je le disais, de nombreux événements en préparation. Entre autres, beaucoup d'associations associées à notre événement Neige et Glace, comme les clubs de glace, bien sûr, et bien d'autres.
globalement, Albertville bouge, en tout cas, c'est votre volonté. Vous vous intéressez aussi aux personnes âgées. Je pense que c'est un des thèmes en fin d'année auxquels il faut penser. Oui, donc c'est vrai que nous avons cette programmation que nous proposons pour les personnes âgées avec beaucoup d'animations qui sont recentrées sur le foyer logement et beaucoup de choses qui sont proposées pour les personnes, pas seulement les résidents du foyer logement, mais aussi pour les personnes qui viennent de l'extérieur, puisque souvent c'est cette demande d'avoir un lieu où se retrouver, ou pouvoir jouer aux cartes, ou pouvoir prendre un café ensemble. Et puis il y a d'autres choses à faire sur le plan culturel, une chorale. Et bien sûr, avec la période des fêtes de Noël qui approche, à nouveau la distribution des chocolats pour les personnes qui sont seules chez elles. Je pense que c'est important d'avoir cette visite au moment de Noël, cette visite des élus ou des bénévoles selon les secteurs. Il y a aussi les repas de Noël qui se préparent. Enfin, voilà, toutes les personnes âgées, pour nous, nous y attachons beaucoup d'importance. Je pense que ce sont des petites choses qui comptent. Même à votre niveau, c'est important d'être proche de la population. Dernier petit clin d'œil pour ce week-end, il y a aussi le salon de la gastronomie pour le grand public à la Pierre du Roi. Qui est pour le grand public, comme chaque année. Alors là, également plein de choses intéressantes à découvrir et préparer ses cadeaux de Noël et faire des dégustations sur place aussi. Voilà, je crois qu'il y a... C'est très intéressant. Martine Berthet, merci Madame le maire. C'était l'occasion de faire un peu le point à date. Bon salon alpin et bonne fin d'année. Merci beaucoup. Bonne soirée.